Vous avez sans doute déjà entendu des gens se moquer de l'art contemporain. C'est facile, hein. Moi aussi je peux devenir un grand artiste, hein. Je prends une toile vide, je l'appelle carré blanc sur fond blanc, je la vends et je me fais des millions. C'est la même idée qu'on retrouve dans la célèbre pièce Art de Yasmina Reza. C'est juste une toile blanche. Non, c'est un monochrome blanc avec de fins liserés transversaux. Eh bien, le carré blanc sur fond blanc existe bel et bien. Mais bon, il ressemble à ça. De là à dire que c'est le premier monochrome de l'histoire, ça se discute. L'artiste Kazimir Malevitch cherchait à atteindre le degré zéro de la peinture et voulait susciter une émotion pure. Donc en un sens, c'est gagné. Vous savez quoi? C'est le degré zéro de la peinture. Sauf qu'il l'a peinte en 1918. Et donc c'est plus vraiment contemporain.